Ce jour dédié pour le repos de l'âme, c'est-à-dire Ilou Neshama, l'élévation de l'âme de Mesaoud Zimbris Ben Rivka, je rends les brachas de mémoire béni. La question de Ruben. Qu'est-ce que vous en pensez de ceux qui partent à l'armée après la Yeshiva? Après la Yeshiva. Regarde. Il est clair qu'en gros, quelqu'un qui fait l'armée, il fait une mitzvah. Parce qu'il n'aura pas la vie facile là-bas. Et il le fait pour Am Israël, pour protéger Am Israël. La question est, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place? S'il veut dire, je vais faire l'armée en France, je lui dis, mais si déjà tu fais l'armée en Israël, au moins tu manges cachère et tu protèges les juifs. S'il me dit, je préfère, c'est ça ou la yeshiva, là il n'y a même pas d'hésitation, un milliard de secondes, un milliardième de secondes, yeshiva, c'est clair. Et il faut le savoir. Moi, dans ma vie, moi je fais l'armée. Parce que quelqu'un m'a induit en erreur, il m'a dit, je lui demandais, j'avais 20 ans, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est, je fais la yeshiva ou je fais l'armée? Il m'a dit, tu fais les deux. Alors, je n'ai pas pu faire les deux parce que je ne connaissais pas comment ça se passe. Donc, je fais d'abord, je me suis dit, bon, je vais faire l'armée avant et après la yeshiva, comme j'ai fait pour finir. Mais c'est une erreur. Parce que si quelqu'un veut vraiment aider à Israël, il n'y a rien qui aide plus que l'étude de Torah. L'armée, ce n'est pas si tu as une bonne armée que tu gagnes ou une mauvaise armée que tu perds. Ça, c'est goy. C'est une façon goy de penser. Nous, on est des mains minimes. On croit en Dieu, on a 3333 ans d'histoire qui ont montré que c'est uniquement en fonction de nos comportements et des mérites du peuple d'Israël qu'on gagne les guerres. Tu peux avoir la meilleure armée du monde et tu n'as rien qui marche, comme on voit très bien aujourd'hui, que tu as la meilleure, on peut dire que tu as quand même la meilleure armée du monde, en tout cas dans la région, tu es le plus fort, d'accord? Et un nul du Hamas, que je ne sais même pas si c'est à aligner deux mots, là, lire et écrire, d'accord? Il te menace, moi, de faire ton petit truc avec les drapeaux, là, la marche des drapeaux, il te menace, sinon il envoie les missiles. Et alors, à quoi elle sert ton armée? Et quand tu étais la guerre des six jours, tu étais beaucoup moins que toutes les armées qui t'ont attaqué, de façon miraculeuse, il n'y a aucun militaire, aucun stratège qui remet en question que c'est une guerre miraculeuse de A à Z. Dieu, il fait comme ça, tac, et tu gagnes tout. Alors, comment tu as fait pour survivre pendant 2000 ans en exil, qu'à chaque génération se lève pour nous anéantir? Parce que tu étais beau, grand et fort, ça va être Sahal. Ou parce que Dieu t'a aidé? Et les meilleures armées du monde, elles ont été ratatinées. Toi, tu es toujours là. Grâce à quoi? Parce que tu es beau, grand et fort, tu as une armée. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas une armée. Mais il faut comprendre que ce n'est pas grâce à l'armée que je gagne. L'armée, c'est une marionnette dans les mains de Dieu. S'il y a des mérites, on gagne. S'il n'y a pas de mérites, on ne gagne pas. Alors, quelqu'un qui a un Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il faudrait qu'il y ait plus de mérites. Quoi? Dieu a besoin de mes mérites? Oui. C'est marqué, nous, Oz Elokim, donner de la force à Dieu. Besoin de ma force? Oui, c'est quoi Oz? Oz, c'est Torah. Tu n'as pas de mitzvah qui aide plus. C'est marqué clairement dans le traité Makot, page 10. C'est marqué comme ça. Omdot hayu raglenu bishar Yerushalayim. Se tenaient debout nos jambes dans tes portes, Jérusalem. Je veux dire quoi ce verset-là? Dit la Gemara. Grâce à quoi nos jambes se tenaient debout au front contre l'ennemi? À l'époque, ils partaient, c'était pas avec un fusil. T'allais à l'épée, d'accord, fallait, tu tombes, t'es mort, d'accord, fallait tenir bon. Grâce à quoi on tenait bon sur le front? Grâce aux portes de Jérusalem dans lesquelles on étudiait la Torah. Le mérite du peuple d'Israël pour gagner les guerres, c'est uniquement étude de Torah. Donc quelqu'un qui vient et me dit, maintenant, j'aimerais aider à Israël, qu'est-ce qui est mieux, armée ou Torah? Surtout pas armée, Torah! D'où on apprend ça? David et Goliath. La guerre des six jours, ils ont dit, David et Goliath, David, le petit État d'Israël, parmi tous les... Combien de pays sont venus, je crois, 13 pays sont venus nous attaquer. Il y avait un peu l'OTAN tunisien, il y avait les Libyens, il y avait les Égyptiens, il y avait les Saoudiens, il y avait les Irakiens, il y avait les Iraniens, il y avait les Libanais, il y avait les Jordaniens, il y avait les Syriens. J'en suis à 9. Encore quelques-uns encore sont venus, d'accord? Et en six jours comme ça, j'ai pas vu, moi j'avais 7 ans à l'époque, je me souviens encore, mon père est israélien, je me souviens, on avait à la maison... On voyait des milliers de chaussures dans le désert, elles sont parties en courant. Ils ont dit qu'ils ont vu des anges, je vais raconter l'histoire déjà, d'accord? Phénoménal! Grâce à quoi? Parce qu'on vend des bons falafels, parce qu'on est bon en high-tech, on a des belles plages. Grâce à quoi Dieu fait des miracles pareils? Torah, Torah, Torah! Alors ils ont dit David et Goliath, je vous lis l'histoire de David et Goliath. Goliath pendant 40 jours, il vient et il blasphème. David, par hasard, arrive là-bas. Son père lui a dit, viens, amène à tes frères un petit pique-nique aussi à leur adjudant, comme ça, qui est un peu de bakchiche, comme ça. Tout à coup, il voit que tout le monde se met à trembler. Goliath sort des rangs des Philistins, il se met à blasphémer, les insulter. Sortez un! Pourquoi on fait avec... Sortez un! Je me bats avec lui, on fait un duel. Celui qui est gagnant, les autres seront vaincus.
Et personne n'osait aller. Depuis 40 jours, c'est comme ça. David dit, mais je vais aller moi. Son frère lui dit, allez, 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 rentre à la maison, là, tu te prends pour Goldorak. Non, non, j'y vais, j'y vais. Il va voir le roi Shaoul. Il lui dit, mais vous dites le texte comme ça, t'as pas peur comme ça? David répondait à Shaoul, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Quand suivait le lion ou l'ours et qu'il emportait une bête de troupeau, je le poursuivais, je le terrassais, je arrachais de la gueule. Alors il se jetait sur moi, je le saisissais par la mâchoire et je le frappais à mort. Avec l'ours et le lion, faut le faire. Bon, Shaoul entend ça. Allez, d'accord, viens. Mets mon armure. Il met l'armure de Shaoul. Et on voit, pff, je suis pas à l'aise. Je veux pas. J'y vais, relax. Quoi relax? Il prend 5 pierres dans le lit de la rivière. 5 pierres plates. Pourquoi 5? Les Tunisiens ont dit, Hamsa, d'accord. Là, on sait que la Torah est une. Alors, mais les sages israéliens ont dit autrement. Ils ont dit par rapport aux 5 lits de la Torah. 5 pierres, parce que pierre, c'est aussi la pierre, c'est la chose qui... le mot pierre, c'est une contraction, comme ça dit Rashi. Parashat Zota Bracha, c'est la contraction de Av Ben, père-fils. On est éternel, peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a une âme très très forte. Le père enseigne à son fils la Torah. Et après, le fils grandit, devient un père qui enseigne à son fils la Torah. Et comme ça, on est éternel. La pierre, c'est le symbole de l'éternité. Ça reste toujours la même chose. Un végétal, ça atteint une progression, après ça pourrit, terminé. L'animal, idem. L'être humain aussi. La pierre reste la même. Il prend 5 pierres par rapport à la Torah, qui est notre signe d'éternité. Il met dans sa poche. Il prend son bâton de berger. Le Philistin, considérant David, le regardait avec dédain, parce qu'il était jeune, vermeil et de bonne mine. Il dit à David, « Suis-je un chien que tu t'avances contre moi avec des bâtons ?» Et je n'ai pas dit comment il est venu, lui. Je vais vous lire un peu auparavant. Goliath, il faisait 3 mètres et quelques de haut. Il y avait un type qui avançait devant lui avec un bouclier. Il avait une côte de maille. Côte de maille, c'est un truc, tu lances une flèche ou donnes un coup de sabre, ça ne peut pas passer. C'est comme du fer, d'accord? Un filet. Depuis là, et un casque. Depuis là jusqu'au haut des pieds, un blindé. Un tank. Et il voit David qui vient comme ça avec des bâtons, avec un bâton. Il maudissait David en invoquant son Dieu. Le Philistin dit à David, viens ici que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. David répondit au Philistin, tu viens avec moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je viens au nom de l'Éternel Sébakot, du Dieu des légions d'Israël que tu insultes. En ce jour, l'Éternel te mettra en mon pouvoir. Je t'abattrai, je te couperai la tête, je livrerai les cadavres de l'armée des Philistins aujourd'hui même aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, car l'Éternel est le maître de la guerre et il vous livrera en notre pouvoir. Et il court vers Goliath, il prend la fronde, la pierre, et un miracle a lieu. La pierre, elle rentre dans le casque. Elle fend le casque et rentre dans son front et il meurt. Il vient, il court, David, il prend l'épée de Goliath, il coupe la tête. Ok, tout le monde est content, David a gagné. Mais c'est quoi la leçon? Toi, tu viens contre moi avec le javelot, l'épée, la lance, l'armure, le tank. Moi, je viens avec le nom de Dieu. Et aujourd'hui, toute cette multitude, tout le monde saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Alors, Abouzor, il y a 20 ans, il a dit comme ça, et regardez comment on a inversé ça. Nous, aujourd'hui, c'est nous qu'on a les tanks. Et t'as des petits-enfants palestiniens avec des frondes au nom de Dieu, Allahu Akbar, contre le tank. Et tous les journalistes du monde, un tiers des journalistes du monde sont ici pour l'antifada, qui prennent la photo. Tu vois le tank Merkava avec le petit gosse devant, la fronde, Allahu Akbar. Et tout le monde est immobilisé. Dieu te montre, alors, t'as pas compris? Tu te prends pour un Goliath. Alors, je dis pas qu'il faut pas une armée, je dis pas qu'il faut pas un javelot, il faut. Mais comprendre que c'est qu'une marionnette. Tout dépend de Dieu. Et si on a confiance en Dieu, il peut venir des millions, on gagnera. Si on croit en notre force, il peut venir deux, trois des petits bébés qui lancent des francs avec des frondes et on est immobilisé. Alors, on va à l'armée ou pas? Celui qui n'a pas le choix, il ne tient pas le coup. Alors, ok, ça va, c'est mieux que rien. C'est mieux que de vendre des cacahuètes, d'accord. Mais tu as le choix d'étudier la Torah. Am Israël est un pays en danger. C'est non-assistance à personne en danger. Tu peux aider maintenant pour entrer du Torah. Étudie. C'est grâce à ça que nous avons droit à la vie. C'est grâce à cela. Sans ça, on n'a pas droit à la vie. Am Israël n'a pas...
de façon naturelle, le peuple d'Israël n'a pas droit à la vie. On vit de façon surnaturelle, on est au-dessus du Mazal. Mais pour avoir ce droit, il faut être branché Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.